Adi Chats, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis dans mon jardin et ma fille m'a dit ce matin que c'était le premier jour de l'automne. Alors je la crois sur parole. Et donc en l'honneur de l'automne, eh bien, je me suis dit, bah, faisons une vidéo. Alors, non, c'est un hasard parce qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de temps et j'étais justement en train de faire du chipping dans mon jardin. Chipping, vous savez, j'en ai parlé au golf de Ploemel cet été. J'avais fait une vidéo à ce sujet, hein, sur les sols durs, etc. Ouais, le chipping, je le disais, c'est une vieille histoire. Ça n'a jamais été vraiment mon violon d'ingres. Ça a été plutôt mon talon d'Achille, toute ma vie de golfeur. Et donc, ça fait quand même 2 ans que je creuse vraiment le sujet, aussi loin que je peux. Et j'avais envie donc de vous faire part aujourd'hui un petit peu de certaines de mes conclusions par rapport au chipping, parce que ça pourrait peut-être vous aider. Et je le redis encore, bien sûr, avec mes yeux de clubmaker. Alors, sur le chipping, comme je le disais en introduction, beaucoup de recherches, beaucoup d'observations. Et c'est vrai que parmi les vidéos que vous connaissez sans doute, il y a celle de Phil Mickelson sur le short game, le petit jeu, où il nous dit que il y a carrément a million ways to chip. Alors bon, je pense que Phil exagère un petit peu. Un million de façons de chipper, sans doute pas. Mais oui, je pense qu'il est évident que le chipping est sans doute le compartiment du jeu où il y a le plus de techniques et d'approches possibles. Alors, cette vidéo synthèse un petit peu. Moi, je pense que, et je me base ici vraiment en tant que clubmaker, et d'ailleurs je tiens à la main cet outil d'automne pour ratisser les feuilles et les pines de pin éventuellement. Et moi, je pars du principe que l'analyse du chipping que j'ai faite a toujours été faite par rapport à l'outil, au club que j'utilisais. Et j'en ai déduit trois écoles. Trois grandes écoles de l'art de chipper. La première école, ben justement celle de Phil Mickelson, qu'on pourrait qualifier peut-être d'école classique, est une école qui part du principe qu'il faut porter plus son attention sur ce qu'il appelle le handle, le grip, que sur la tête. Autrement dit, ici je vais me placer d'ailleurs en tant que gaucher. Autrement dit, Phil Mickelson part du principe que lorsqu'il chip, c'est son fameux hinge and hold, il faut que le handle soit toujours devant la tête. La tête ne doit jamais dépasser le grip. Si je prends, pardon pour l'analogie, hein, si je reprends mon gap wedge ici, et que je me positionne en droitier, ça ressemble à ça. Le grip va rester toujours devant la tête. Il ne le dit pas, mais c'est textuellement ce qu'il fait. Sa technique du hinge and hold qu'on va traduire par j'arme et je tiens. J'arme, je crée un angle, je conserve cet angle. On peut le traduire de différentes façons. J'arme, je maintiens, j'arme, je conserve, j'arme, je tiens. À aucun moment la tête ne dépasse le grip. Voilà la façon de chipper de Phil Mickelson. Ok? Avec ce finish caractéristique, son bras droit, donc ici pour moi le bras gauche, hein, qui forme une ligne droite avec le club. Et puis vous voyez le grip, hein, qui est légèrement devant la tête de club. Donc ça, c'est la première école avec ses avantages et ses inconvénients. Deuxième école, plus récente, à laquelle j'ai porté beaucoup d'attention en tant que clubmaker, puisque c'est celle du bounce, ou c'est celle du release, ou c'est celle de la tête de club. Et cette école-là, elle a été portée notamment par un coach si cette école vous intéresse, un coach qui est connu, qui a compté parmi ses élèves des très grands noms. Je me demande même si Tiger Woods n'est pas venu le voir à une époque, hein. Mais bref, en tout cas, c'est la technique utilisée par Tiger, très simplement. C'est la technique plutôt du release, où on laisse passer la tête de club, où je laisse passer la tête du râteau par rapport au grip. Le release. Et je veux dire, quand je fais cette action avec ce râteau, je n'y vois strictement aucun inconvénient. Enfin, je veux dire, anatomiquement, il n'y a rien qui me choque. La première ne me choque pas. La deuxième non plus, hein. Et ça, je vais en arriver à cette idée que aucune des deux écoles n'est meilleure que l'autre. Hein.
Alors la technique de Stan Utley, la technique de Tiger et la technique donc de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, la grande majorité d'ailleurs hein, sur le tour. Alors on va plutôt la qualifier de la technique du hinge et release. J'arme, je désarme. J'arme, je désarme. J'arme et je laisse passer la tête de club. Vous voyez ici, la tête de club va plus vite que mon grip. C'est l'école du bounce aussi, puisque là, évidemment, avec la technique de Stan Utley et de Tiger Woods, on va beaucoup plus facilement utiliser cet ingrédient clé qui est le bounce, la semelle du club. Oui, on va littéralement jouer avec le bounce du club, avec le bounce de la tête. Je la laisse glisser sur le sol. Et là aussi, comme pour la première école, avantage et inconvénient. Enfin, troisième école, très brièvement, un enseignant avait tenté de me la montrer, celle-là, moi, j'y suis jamais arrivé, mais c'est la technique, allez, on pourrait la qualifier de chipping putting, hein. On se tient le plus à la verticale possible, avec la tête de club plutôt sur la pointe au sol, pour éviter, pour qu'il y ait le moindre friction possible à l'impact. Et on va chipper comme si on putait. Aucune action des poignets. Voilà. Là, c'est vraiment une action de pendule comme au putting. Donc celle-là, je la laisse de côté parce que c'est pas qu'elle m'intéresse pas, c'est que bon, personnellement, j'ai jamais réussi à l'intégrer dans mon portefeuille de coups. Voilà, dans mon archipel. Alors tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire que, et ça sera la conclusion de cette vidéo, aucune de ces deux écoles n'est meilleure qu'une autre. Elles ont chacune leurs avantages et inconvénients, et là, ça serait peut-être la thématique d'une prochaine vidéo sur les avantages et inconvénients de ces deux écoles au chipping. Mais ce qu'il faut aussi savoir, avant que je fasse ma propre conclusion personnelle, c'est que de toute façon, une des règles à ne jamais oublier, c'est que l'art du chipping, c'est aussi l'art de regarder le sol et de regarder comment la balle repose sur le sol, comment le drapeau est positionné sur le green, est-ce qu'il est devant, est-ce qu'il est derrière. Et donc, c'est un exercice d'imagination, de qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette balle qui repose sur un sol gras, sur un sol dur, en pente, une balle qui est maintenu en équilibre comme sur un coussin d'herbe, comme sur un tee. C'est ça qu'il faut prendre en considération en premier. Comment repose votre balle? Et ensuite, où est situé le drapeau? Et par rapport à ces deux ingrédients, en tirer deux conclusions. Avec quel outil je vais chipper? Ça peut être un wedge, mais ça peut être un fairset, ça peut être un hybride, ça peut être un putter, ça peut être plein de choses. Et de quelle technique je vais utiliser pour essayer de réussir le coup. Voilà. Alors, à tout de suite pour ma conclusion personnelle de ces deux écoles. Alors, la conclusion personnelle que je voulais vous faire par rapport à cette vidéo, c'est finalement de vous parler de l'erreur que j'ai commise à travailler ces deux techniques. Et la même erreur, à chaque fois. L'erreur que j'ai commise, ça a été de finalement tellement me concentrer soit sur le grip, soit sur la tête, que par exemple ici, dans le cas du grip, pas si vous le voyez, je vais vous dire après l'erreur que je commets, ou soit dans le cas de la tête. Et finalement, j'en avais fini par oublier l'ingrédient clé de tout coup de golf, et surtout l'ingrédient clé de ce club. Enfin, ce club, oui, il a un grip et une tête, mais il a un shaft au milieu, il a une longueur, il a un poids, il a un équilibre, et surtout, bah, ce club, il a un angle, il a un lie. Ici, par rapport à mes wedges, 62 degrés. Autrement dit, ce club, certes, a été conçu avec un bounce, certes, a été conçu avec un loft, etc. Mais ce club a surtout été conçu comme n'importe quel club de golf, y compris les putters, pour être mis en rotation autour du corps. En rotation autour du corps. Hein? L'erreur que j'ai commise, ça a été d'arrêter ma rotation et de ne plus jouer qu'avec mes mains. Dans les deux cas de figure. Pouf. Alors ça peut marcher, mais souvent ça ne marche plus. On se dit mais pourquoi ça marche plus? Ben, voilà, erreur fatale
La rotation. Alors, vous voyez, aujourd'hui, et ça sera ma conclusion personnelle, je pense même plus à l'une de ces deux écoles. Je ne pense plus au bounce, je ne pense plus au grip, je ne pense plus à avoir les mains en avant, je ne pense plus à faire mon release avec les mains. J'essaye juste, je ne dis pas que c'est la vérité, je ne dis pas que c'est juste, hein. Je vous parle de ce que j'ai travaillé et de mes conclusions personnelles. J'essaye juste de mettre ce club en rotation autour de mon corps. J'essaye juste de ressentir l'harmonie qu'il peut y avoir entre tous les ingrédients de mon corps, les pieds, les jambes, le haut du corps, etc., mes épaules, et ce club. Ils veulent tourner ensemble, à l'unisson. Il n'y en a pas un qui prenne le pas sur un autre. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette première vidéo d'automne. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis si vous avez des questions, des commentaires, surtout, ben, n'hésitez pas, écrivez-moi. J'essaierai d'y répondre. Encore une fois, ben, de toute façon, la thématique du chipping, on pourrait dire plein plein de choses. J'ai essayé de vous dire ce que j'en pensais ce soir. Et j'attends donc vos commentaires. À très bientôt et merci de votre attention. Allez, celle-là, j'y arrive.